Vendredi, il y aura la réception. À partir de vendredi matin, on va commencer à faire la réception. Pour les... Vendredi. Non, demain c'est jeudi. Dans le programme est jeudi, demain il n'y a pas de réception. Parce qu'on suppose qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer aujourd'hui. Et demain, ça sera bouclé. Les arrivages, là, c'est aujourd'hui. Les gens vont arriver aujourd'hui. Et demain déjà, et demain. Donc on suppose que les deux jours, on aura le temps d'organiser les réceptions. Mais ça serait bien d'organiser la réception. En prenant le temps d'organiser, on te dit telle heure. Et ça, on va respecter. On te dit, on te donne les heures. C'est pour ça qu'on attend que tout le monde arrive aujourd'hui et demain. À partir de vendredi, on vous donnera les heures. Déjà, à partir de demain soir, on va vous donner les heures pour dire telle personne va passer à telle heure. Le prophète, vous avez telle heure avec lui, telle heure avec lui. C'est à partir de demain soir, on va vous donner les heures par rapport à la réception. Amen. Et la réception aura lieu vendredi. On vous donnera l'heure, mais c'est dans la matinée. Matinée. Et à partir de vendredi soir, nous allons commencer les séries de délivrance. Nous commençons les séries de délivrance jusqu'à dimanche. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni. Tu as quelqu'un, tu es béni. Béni. On dit amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Il fallait que j'explique un peu certaines choses. Nous allons mieux l'organiser parce que, vous passez dans vos têtes, ça commence à être beaucoup sérieux. On aura l'occasion de causer sérieusement avec vous. Amen. Amen. Pour qu'on puisse vraiment garder ce contact. Ce contact après cette rencontre, pour qu'on puisse vraiment savoir au téléphone, peut-être. Amen. Amen. Voilà, les choses. Amen. Vous connaissez un peu notre histoire, notre ministère. Vous savez, quand vous dites, ah, le prophète, il m'a dit, qui t'a appelé? Moi, il ne va jamais t'oublier. Je dis, ah, il ne va pas m'oublier. Il y a des gens qui sont venus, hein. Je l'ai oublié. Qui ne savent même pas. Vous savez, notre ministère, il y a trop d'ingratitude dedans. On s'investit, les gens ils s'en fouchent. Et les gens m'ont aidé, ils m'ont dit, passe prophète, fais une voiture là, c'est pour toi, je vais faire assurance. Je dis merci. Que Dieu te bénisse jusqu'à aujourd'hui. Mon Dieu te bénisse, ça s'est resté à l'eau. Amen. Amen. Donc, nous, on a envie de vous aider. Vous savez, nous, c'est un investissement. Toute la Côte d'Ivoire bénie ici, c'est l'argent, vous savez. Nous sommes en haute saison, c'est l'argent. Amen. C'est l'argent. Mais Dieu fait grâce, alléluia. Amen. Voici les petites choses qu'on a décidé de confessionner. Voilà, ici on a mis carrément ici. C'est pas un péché de même, on est vigile là. Moi c'est le vigile de Jésus, là. Vous n'avez pas vu Jésus plus maître. C'est des acteurs. Si vous voyez dans le film là, c'est un acteur de cinéma. C'est pas Jésus. C'est vrai ou faux? Oui, monsieur, ça foutait Jésus. C'est pas Jésus, vous mentez. Tu vois Jésus pour mettre sa photo dans la maison pour dire c'est Jésus. C'est pas Jésus. Pour mettre Crasso, tu le connais. Tu mets sa photo sur le t-shirt. Amen. C'est pas un péché aussi, c'est pas un péché. Soutien au prophète Joël Crasso. Prophète, c'est pour nous soutenir dans la lutte. Amen. Amen. Dans la lutte contre ce fléau qu'on appelle la sorcellerie. Vous savez qu'il y a des gens qui militent dans les partis politiques. Ils ont des cas d'adhésion. Chaque mois, ils investissent dans un parti. Tu ne vas pas t'envoyer au ciel. Il y a des gens qui vont mourir pour un parti. Mourir comme ça pour un parti. Or, la Bible dit que si nous sommes en train de faire ça, ça va nous suivre jusqu'en dans le ciel. Amen. Amen. Nous avons tellement de choses à faire. Donc, on essaie de confectionner les t-shirts. Vous me regardez. C'est pas sûr, non? Amen. Amen. Il y a des choses qui vont suivre. Mais gratitude, là, je vais les faire. On a réfléchi. Oui, on a réfléchi, mais il faut qu'on vous fasse. Contribuer, c'est une votre contribution. C'est-à-dire que ce n'est pas payer. Je préfère contribution. À la lutte, on se fléau. Quand il y a la lutte, il y a l'Ebola, tous les pays s'investissent dedans. On donne l'argent quand on va lutter contre l'Ebola. Pourquoi ne pas lutter? Pourquoi ne pas chercher les fonds? Donc, les touches, vous voyez là, c'est votre contribution. C'est tellement simple, c'est pas cher. Ça fait 50 euros. C'est rien même. C'est votre contribution. Donc c'est Diamant qui va s'occuper de ça. La vente, ouais. 5 euros, c'est 5 euros. 50, c'est 5. Et puis à 0 à côté. 5 euros. Hein? Et regardez, je vous explique. Je vous explique un peu. Vous connaissez ce qu'on appelle la paix de moisson? Je ne vous ai pas dit, je vends. Hein? J'ai dit une contribution. C'est ce qu'il a dit. Si les ventes, on va marchander. J'ai eu des bancs
contribuer pour qu'on avance dans l'œuvre de Dieu. Hein? Amen. Amen. Non, écoutez, si tu n'as pas ça, c'est pas forcé. Mm-hmm. Moi, je pense que je ne pense pas que tu n'as pas ça, on t'a dit c'est ça. Mais tu n'as pas ça, tu viens dans ton coin. Amen. Amen. Voilà, c'est une contribution, c'est pour nous aider. Il y a mon moteur, qui est gardé, Ismaël. Ça fait 2 millions. On dit qu'aujourd'hui, il va avoir 500. Et non, il aura beaucoup d'actions par la grâce de Dieu. Ce n'est pas forcé, hein. C'est une contribution. Or, dans d'autres mondes, ils vous demandaient. On me contait l'histoire d'une dame qui est venue à Divo. J'ai prié pour elle, elle n'est pas satisfaite. Elle a envoyé un prophète à Divo même, dans Pro. Ah, elle m'a suivi à Divo. Le prophète a pris 2 millions. Pénèbre. Les gens aiment les endroits bizarres. Vous voyez, c'est les maçons, non? Les gens aiment les endroits bizarres. Amen. Voilà, donc voici un peu. Mais par contre, les CD, on va vous donner gratuitement. Mais les CD des chansons, ça, c'est gratuit. Mais ça, là, contribution, c'est 50 euros. On envoie les CD. Vos chansons qu'on chante ici, on vous donne gratuitement. J'aurai l'occasion de dédicacer les CD, vous donner ça gratuitement. Voilà, gratuitement, mais par contre, ça, c'est votre contribution. Il y a beaucoup à faire. N'oubliez pas que nous avons des personnes que nous prenons en charge. Ah, vous savez, c'est bien. Vous savez tout ça. Hein? Ah bon, hein? C'est votre contribution. Il y en a qui disent, non, moi, je milite dans tel parti, le parti doit avancer. Je donne toute ma fortune. Pourquoi ne pas donner, vous investir dans le désir? Nous sommes sur le terrain, vous voyez le travail comme nous l'abattons sur le terrain. Donc après, par la grâce de Dieu, vous allez vous occuper de ça. C'est votre contribution par rapport à l'évolution de l'œuvre de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, si vous investissez dans l'œuvre de Dieu où la sorcellerie est détruite, vous allez voir que Dieu va vous protéger. C'est comme ça. La dîme, d'autres disent on ne paye pas, d'autres ont dit on paye, moi ça ne m'intéresse pas, je paye ma dîme. Moi je sais qu'il faut vous payer. Vos problèmes, on ne paye pas, ça c'est le langage que vous. Je suis d'abord chrétien. Mais c'est les offrandes. Là. Quand tu investis dans l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit. Voilà, Dieu te bénit. C'est une manière de faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. C'est un moment très chaud. On aura beaucoup de choses à faire. On aura beaucoup de choses à expliquer par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Nous allons prier demain. Personne ne mange. Du prophète jusqu'à toute l'équipe. On est là pour prier. Il faut que Dieu fasse quelque chose. C'est lui, on va voir du pain. Pain maca. C'est ma pain, spaghetti, sandwich. Tu vas prendre l'avion. Moi, mais j'ai allé prendre ton pied et chasser. Amen. Amen. C'est sérieux. C'est que ce matin, de faire tellement sérieux. Il faudrait qu'on mette beaucoup de sérieux dedans. Tu ne peux pas payer du billet à combien d'euros et puis venir chercher à payer l'homme. Les Marocains s'habillent bien. Non. Pourquoi vous êtes de venir ici? Il y a le tram. Il y a le tram. Vous déguidez la tram qui a baptisé. Marocains, je dis, pourquoi moi, il y a couscous? Vous laissez tout ça. Amen. Amen. Nous sommes là pour une question de délivrance. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, nous allons gêner ensemble. À partir de demain, je m'en fiche quand tu dis, non, je suis médicament, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je prends un médicament. Comment oh, c'est ça, là? Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je note demain, j'ai dit, vendredi et samedi. Le jeûne prendra fin samedi. J'explique. Le jeûne prendra fin samedi. Je pense qu'il y a d'autres qui retournent samedi soir, dimanche soir. Hein? Ah, donc, vous êtes venus nous voir. Pourtant, on est regardé. Vite, puis je vais. Vous avez des forêts. Hein? Amen. Or, on a voulu organiser une rencontre, c'est-à-dire un truc, une sortie. On va dans un restaurant et puis un buffet ensemble. À part le jeûne, le samedi soir. Or, demain, à partir de demain jusqu'à samedi, on est convaincu, matin, vous serez délivrés. Le soir, on va aller quelque part pour échanger. Vous devenez comme des partenaires du ministère. Amen. Pour que désormais, on puisse être ensemble. Et c'est vous-même qui allez faire, n'est-ce pas, parler de ce fléau-là. Sensibiliser les gens autour de vous. Pour dire que ça existe.
S'il y a quelqu'un qui est dans la sauce, il peut être délivré. Voilà, donc on va organiser un truc samedi soir ensemble. On mangera ensemble par la grâce de Dieu. On va s'échanger les adresses. On va essayer de monter un comité parce que bientôt j'arrive. Je serai bientôt sur Paris. Ça, c'est très bientôt. Amen. Donc déjà, la connexion s'est créée ici avec le diamant qui est là. Beaucoup de choses vont s'organiser. Amen. Donc samedi soir, il y aura quelque chose. Dimanche soir, on aura un film de kit et puis ben, on se sépare. Amen. Amen. Ben donc que Dieu bénisse. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Notre ministère, là, nous ne sommes pas des gens de nous sommes des hommes d'action. Je vous explique ça déjà. Nous sommes des hommes d'action. Donc que Dieu fortifie. Amen. Vos sorciers là, ils ont chaud là-bas. Amen. Amen. Le mal dont tu souffres là, c'est une petite maladie. Jésus peut te guérir. Amen. Amen. Jésus peut te guérir. Chaque jour que Dieu fait, nous assistons à des grands témoignages. À Divo. Aujourd'hui, c'est des témoignages pathétiques. Dieu fait tellement de choses, tellement de grands miracles. Amen. Il n'a pas changé. Si vous sortez d'ici, vous devez avoir un mari. Amen. Gentil, hein? C'est pas un monsieur qui a fait pleurer. Gentil. Amen. Amen. Un monsieur gentil. Beaucoup, beaucoup câliné, il va te câliner. Et qui a la crainte de Dieu. Amen. Surtout, surtout. Surtout. Quand il regarde, il ne regarde pas trop. Il tais-toi sur les dégâts. Amen. Amen. Ça, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fortifie. Amen. Demain, ça sera encore plus chaud. Donc, j'ai dit, comme l'a dit le pasteur, les problèmes seront dans la maison. Amen. Amen. Si tu es avec quelqu'un, il faut que sa personne se réveille. Des prières de 4 heures. Ne négligez pas ça. À partir de 4 heures. 7 nuits. Ah, ben oui, 7 nuits. Jusqu'à 6 heures. 7 nuits. Mais parce que, moi, je pense que vous êtes déjà habitué à ça. Lolo, parce que vous voulez vous suivre. Non, viens pas ici. Nous, on n'a pas de monsieur pasteur. C'est la communauté, c'est l'église du pasteur. Hein. Voilà, c'est le pasteur. Tu dis ton nom. Daniel, voilà, Daniel. Amen. Amen. Voilà, donc ce sont l'église tout le temps. Amen. Soyez fortifiés. Soyez bénis. Prophète ne peut rien pour faire. C'est Jésus-Christ qui va l'utiliser pour te soigner, pour te délivrer. Amen. Mets ça dans ta tête. Amen. Amen. Moi, je viendrai avec ma foi. J'ai cette foi terrible en Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ te délivrera aussi. Amen. Amen. Je vois beaucoup de choses. Cette fois-ci, on s'est vraiment préparé pour bénir. Amen. Oui, on s'est vraiment prêté à la prière. Toute l'équipe, même en jeûne. Oui, depuis lundi, tout le centre en jeûne. Tout le centre. Les gens sont en train de prier pour que vous soyez délivrés. Amen. Pour que demain puisse venir investir en Afrique. Nous, c'est ça notre combat que nous menons. Amen. Que vous puissiez avoir tous vos biens. Que les diables puissent restituer vos biens. Amen. Ça, c'est vraiment important. Prions ensemble le Seigneur. Toi, confie ton séjour. Présente tout le problème au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons te prier parce que tu es Dieu. Nous voulons te prier parce que nous voulons te prier. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci de prendre ta main encore et de manifester pleinement dans nos vies. Nous comptons sur ta main. Nous comptons sur la manifestation de ton pouvoir. Merci parce que tu es puissant. Tu es capable encore de nous délivrer encore, Seigneur notre Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. Nous savons que tu es puissant. Jésus-Christ. Merci pour la manifestation. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que la Bible déclare que tu es le commencement et la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Éternel notre Dieu, nous te prions de tendre ta main sur ce programme, Seigneur notre Dieu, qui vient de démarrer. Nous te prions de manifester ta puissance. Nous te demandons de déployer une puissante onction, une onction de miracle, une onction de guérison, une onction de restauration. Seigneur, merci de nous garder encore dans les creux de ta main. Et merci de bénir ce programme. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Le samedi aussi, il y aura les shopping. Après, avant la réception, il y aura aussi un shopping. On aura l'occasion de sortir, nous acheter quelque chose comme un souvenir au niveau du Maroc.
peu le soir, il aura, n'est-ce pas, le repas en commun. Dimanche, je ferai le culte, on va se séparer. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.